Neolith s'attaque à la problématique des déchets non recyclables qui sont enfouis ou incinérés. En France, on a à peu près 30 à 40 millions de tonnes de déchets non recyclables, donc vos ordures ménagères, mais également les déchets des industriels, qui sont enfouis ou incinérés parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et ça génère énormément d'émissions de CO2 et c'est ça qu'on veut essayer de résoudre. On a inventé la fossilisation. La fossilisation, c'est une troisième voie de traitement alternative à l'enfouissement et l'incinération qui consiste à transformer la matière déchet, votre poubelle ménagère, en des petits cailloux comme celui-ci. Ce sont des cailloux, donc des granulats minéraux qui peuvent être ensuite reconsommés dans la construction pour faire des bétons ou pour faire des routes. Donc c'est vraiment un levier très fort de transition vers une société décarbonée. Alors on s'adresse dans un premier temps aux industriels du recyclage qui font le tri des matières en mélange qu'ils reçoivent. Et après ce tri, donc, ils arrivent à peu près à sauver 30% de la matière pour les filières de recyclage et 70% doivent partir à l'enfouissement ou l'incinération. Et donc nous on vient leur apporter notre fossilisateur, donc une annexe industrielle à leur site, pour prendre ce flux et le fossiliser. Ce qui nous différencie principalement, c'est cette valorisation matière qu'on peut faire au niveau de tous les déchets. On peut tout prendre, tout fossiliser. Alors ce procédé de fossilisation, c'est un procédé qui est sans chauffe. C'est la vraie différence avec tout ce qui existe aujourd'hui. C'est un procédé très simple. On va prendre la matière déchets en mélange, on va la broyer pour en obtenir une sorte de farine de déchets, donc la microniser très fin. On va la faire réagir avec des liants minéraux qui sont là notre chimie particulière qu'on a développée chez Neolith, ce qui va nous permettre d'obtenir une sorte de pâte à modeler minérale. Et ensuite, cette pâte à modeler, on va la presser très fort pour obtenir des petits blocs. Et donc, c'est ces blocs-là derrière qui sont des granulats qu'on peut aller reconsommer dans la construction. En termes carbone, la grande différenciation de Neolith, si on fossilisait tous les déchets français, on réduirait de près de 10% l'impact carbone français dans sa globalité.